comme reprise de l'expérience de l'analysant au niveau de celle d'autrui qui, selon la proposition de 1967, doit régler toute activité de l'institution. Ce livre conduit le lecteur de Freud à Lacan avec une traversée problématisée de Lacan par un de ses élèves qu'il a suivi dans toute cette histoire et au-delà, comme on peut le voir dans ses livres récents d'il y a 2 ans sur la civilisation post-oedipienne. Mustapha Safon disait il y a peu encore de cela, je suis entré dans l'Oedipe il y a 50 ans, je suis entré dans la psychanalyse il y a 50 ans avec l'Oedipe et je sors de la psychanalyse à 100 ans avec l'Oedipe. Tout ça montre l'importance de la formation articulée au réel de l'expérience analytique et à celui de son institutionnalisation internationale. Dès les années 50, les analystes en formation avaient de quoi faire la différence entre les analystes didacticiens qui analysaient la conduite, c'est-à-dire qui analysaient le moi, et Lacan qui analysait la parole et le sujet. Chacun avait le choix. Ce que l'on retrouve dans le séminaire 2 sur le moi, dans la théorie de Freud et dans la psychanalyse, où le principe de l'analyse didactique est déjà corrélé à la fin de l'analyse, dans le but de former des analystes pour qu'il y ait des sujets tels que chez eux, le moi soit absent. On n'atteint pas cet idéal. C'est un idéal, on n'atteint pas cet idéal, mais il reste la visée d'une didactique qui cherche la réponse inédite de l'autre, celle qui est au-delà de la connaissance, et qu'on n'attend pas. Il ne s'agit pas ici de faire une archéologie du savoir, puisque l'inattendu n'est pas de cet ordre. Il relève de la vérité. Mais alors, que pouvons-nous savoir de cette vérité singulière de la fin d'une analyse? Est-elle recevable par le savoir et donc transmissible? Remarquons que Safon en tire la même conséquence logique que Lacan en 1956. Est-ce que ça voudrait dire que les analystes pourrait produire un autre lien social entre eux? La réponse de l'auteur est tranchante. Je suis tout à fait d'accord, ce combat a été perdu. Ce combat a été perdu. Quel est ce combat, si ce n'est celui du couple dénoncé par Michel Foucault entre le savoir et le pouvoir? Ce n'est pas le plus important pour nous. La question est de savoir comment un analyste se produit par le transfert, ce savoir qui est le ressort de toute institutionnalisation de la psychanalyse reste au premier plan et il devient l'enjeu de la passe. Lacan précise quelques points essentiels de cette question dans sa note adjointe à son acte de fondation en 1971. Ceci vient toujours dans le but de rompre avec les habitudes stériles. On retiendra
je le cite, un psychanalyste et didacticien, de ce qu'il a fait une ou plusieurs psychanalyses qui se sont avérées didactiques. Ce qui veut dire que ces analyses l'ont amené à poser l'acte de devenir analyste. Lacan ne retient que, je le cite, le seul principe certain à poser, et d'autant plus qu'il a été méconnu et que la psychanalyse est constituée comme didactique, par le vouloir du sujet, et qu'il doit être averti que l'analyse contestera ce vouloir à mesure même de l'approche du désir qu'il recèle. Voyons alors cette question entre la demande d'analyse et le désir de l'analyste. C'est dans le séminaire 7 sur l'éthique que Lacan avance déjà l'idée du désir de l'analyste. Nous lisons par exemple dans sa leçon du 22 juin 1960, je le cite, « La question du souverain bien se pose ancestralement pour l'homme, mais lui, l'analyste, sait que cette question est une question fermée. Non seulement ce qu'on lui demande, le souverain bien, il ne l'a pas, bien sûr, mais il sait qu'il n'y en a pas. Avoir mené à son terme une analyse n'est rien d'autre qu'avoir rencontré cette limite où se pose toute la problématique du désir. Lacan précise ensuite qu'il s'agit d'un désir averti, à savoir que l'analyste ne peut pas désirer l'impossible. Ce qui pose la question à l'analyste de son rapport au manque, et tout particulièrement au manque à être, le phallus, comme on le sait. C'est en assumant cette position subjective qu'il arrivera à tenir la place de ce X, comme le nommait Lacan, X, c'est-à-dire l'énigme, comme la nomme cette place Lacan dans sa proposition, dans le transfert, pour que l'analysant puisse à son tour assumer la fonction phallique en dégageant l'objet A qu'il obture. C'est cet X, ce X que Lacan appelle le désir de l'analyste tel qu'il se signifie à travers son énonciation. Bref, la demande d'analyse, même didactique, est une demande de savoir dans l'objet et le désir qu'elle véhicule. Et la visée de l'analyse devient ainsi la reconnaissance de ce désir à travers sa signification dans le discours analytique. Sa foi s'interroge alors sur la nature de ce qu'on appelle le désir de l'analyste. Quel est ce désir? Sa réponse est la même que Lacan en 1973. Je le cite, on ne saurait envisager autrement que comme une nouvelle formation de l'inconscient. C'est même là le sens le plus authentique de la formation de l'analyste. Lacan l'a dit au congrès sur la passe à Montpellier en 1973. Il dira « Je n'ai jamais parlé de formation analytique.
J'ai parlé de formation de l'inconscient. Il n'y a pas de formation analytique. Mais de l'analyse se dégage une expérience dont c'est tout à fait à tort qu'on la qualifie de didactique. Ça n'empêche pas une psychanalyse d'être didactique. Le sujet, après une analyse, a pu apprendre par quel truc ça s'est produit. C'est en ce sens et en ce sens seulement qu'une analyse est didactique. Il ne l'a pas du tout appris, mais ça s'est à lui dévoilé. Alors, la PASS comme dispositif institutionnel de témoignage et de transmission sur les raisons ayant œuvré à la formation d'un désir d'analyste, c'est-à-dire n'ayant rien à faire avec les fantasmes qui sous-tendaient la demande initiale d'être analyste, a abouti, comme déclarait Lacan, à un échec. Safouan racontait que cet échec a considérablement déprimé Lacan, car Lacan l'a vécu comme l'échec de sa vie. Sa vie qu'il consacrait à une psychanalyse qu'il voulait scientifique. Et comme toute science se doit d'être scientifiquement transmissible, cette conclusion de l'échec s'imposait. On pourrait dire que l'éclair de la vérité, on pense à Héraclite et à ses fragments, n'a pas allumé la lampe du savoir. Reste à dire pourquoi. Là aussi, on peut se référer à Héraclite et à son fragment sur l'oracle. Le maître, comme il disait, dans l'oracle est à Delphes, ni ne dit, ni ne dissimule, il signifie. Pour Safouan, le désir de l'analyste peut se signifier à travers une formation de l'inconscient au détour d'une conversation, d'un échange, d'une confidence ou d'un témoignage spontané. Il faut donc renoncer au savoir et à son institutionnalisation. Des écoles ont alors fait le choix de recueillir une ou plusieurs modifications de l'économie libidinale du sujet de façon à raccorder son désir aux conditions sans lesquelles l'analyste ne peut pas fonctionner comme analyste. Et dans cette même année 1973, Lacan a produit justement son dernier écrit qui est sa préface à l'édition anglaise du séminaire 11, qui est devenu célèbre pour son propos sur la fin de l'analyse et sur la passe. Miller en fait un commentaire et un manifeste pour le futur en reprenant les formations de l'inconscient citées par Lacan dans le contexte de la formation des analystes pour les faire jouer contre l'inconscient et développer l'inconscient réel, celui qui n'est pas symbolique, mais qui va le devenir pour Miller. Ainsi, l'opération analytique pour Miller fait passer du réel au symbolique. Par conséquent, un analyste serait quelqu'un qui saurait mesurer l'écart entre
une vérité toujours menteuse, bien sûr, et le réel. Ce serait la passe du parler, pour Miller. Hein? Je ne vais pas revenir sur la satisfaction de fin d'analyse qu'il faudrait discuter avec le texte de Freud sur analyse avec fin et sans fin, mais je voudrais y ajouter une remarque de Safouan qui dit que la névrose n'est pas un destin, qu'il y a un au-delà de la névrose. Je fais de même sur la vérité mensongère qui, depuis le paradoxe du crétois, paradoxe du menteur, remplit nos bibliothèques. Je suis de l'avis, comme le dit Lacan en 1978, dans son séminaire « Le moment de conclure », que la fin de l'analyse, c'est quand on a deux fois tourné en rond. Pour avoir une idée du réel dont on est empêtré. Et là, on va plus loin que l'analyste dans la perspective du symptôme, comme essaye de le repérer Miller. C'est là que nous comprenons avec Miller comme étant l'analyste qui fait passer pour Miller, l'inconscient réel à l'inconscient transférentiel. Dans cette nouvelle version chez Lacan de la fin de l'analyse, on retrouve ce dont il est question depuis le séminaire RSI en 1975, que le complexe d'Œdipe est implicite, et il dit qu'il est implicite en ceci, qu'il faut que le réel surmonte, si je puis dire, le symbolique, pour que le nœud borroméen se réalise. Il faut que le réel surmonte le symbolique. Hein? Très différent de Miller, ça. Il n'en reste pas moins que le désir de l'analyste donne tout son sens au premier principe qui donne la position d'une école, celui que Lacan énonce au début de sa proposition, le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même. Safon, qui a participé à tous les jurys de la PASS avec Lacan, rappelle que ce principe que l'analyste ne s'autorise que de lui-même a suscité de nombreux conflits et des ruptures dans le mouvement psychanalytique jusqu'à aujourd'hui. Et à 100 ans, il considère que ce principe a renouvelé considérablement la question de ce que l'on appelle la formation des analystes et que ce principe est inaliénable. Qu'en est-il aujourd'hui? Avant d'évoquer notre actualité, il faut d'abord clarifier les fondements analytiques de ce principe. Safon dit bien, pour Lacan, le fait de demander un contrôle, de passer à l'exercice de l'analyste n'était pas la conséquence de ce que vous aviez été analysé, mais un acte dont la responsabilité vous incombe seule et dont le bien fondé ne se mesure qu'à ses conséquences. C'est là tout le sens du principe selon lequel l'analyste ne s'autorise que de lui-même. Il s'agit là d'un principe dont la rigueur n'admet aucune atténuation. On peut déjà retenir que cette proposition, l'analyste ne s'autorise que de lui-même,
ne veut pas dire que tout est permis, comme on l'entend souvent. Mais bien au contraire, elle signifie que l'analyste ne s'autorise que de lui-même à condition d'avoir été analysé. Bref, un analyste ne s'autorise que de l'analyste qu'il est devenu, ce qui veut dire qu'il peut témoigner d'une expérience de l'analyse. Répondant aux critères de fin d'analyse, comme la traversée du fantasme, la réduction de la jouissance, des symptômes, un savoir-y-faire avec ce dont il est empêtré comme réel, etc. Ce qui fait l'objet, entre autres, de l'expérience de la passe. Pour étayer cette lecture ou l'interprétation de ce que l'on peut appeler cet aphorisme de Lacan, il faut évoquer l'occurrence qui est celle du séminaire Les Noms du Père, dans la séance du 5 avril 1974. Elle est la plus importante car elle nous permet en effet de tenter une interprétation. Lacan réfère en effet ce principe de s'autoriser analyste à la fois au discours analytique et à ces fameuses formules de la sexuation. Effectivement, Lacan modifie et complète son principe en le redoublant d'une autre autorisation. Il juxtapose ces deux formules. L'être, il dira, l'être sexué ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres. Avec l'analyste ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres. Lacan affirme alors, c'est ça qui équilibre mon dire, que l'analyste ne s'autorise que de lui-même, ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit tout seul à le décider, comme je viens de le faire remarquer pour l'être sexué. Mais alors, qui alors prend la décision? Quels sont ces quelques autres dont l'analyste s'autorise? C'est ainsi que le s'autoriser analyste est étroitement lié à la façon dont l'analyste assume son propre manque à partir de ses rencontres avec le désir de l'autre qui ont constitué sa destinée. Pourquoi utiliser ce terme de destinée peu habituel en psychanalyse? Lacan utilise ce terme de destinée en juin 1975 à la suite de l'exposé d'André Albert sur la règle fondamentale. Son commentaire est le suivant. Le singulier, c'est tout autre chose que le particulier. C'est le symptôme qui est la particularité, en tant que c'est ce qui nous fait chacun un signe différent du rapport que nous avons en tant que par l'être au réel. Dans la cure, alors, dit Lacan, ça vaut la peine de traîner à travers toute une série de particuliers pour que quelque chose de singulier ne soit pas omis. Le singulier, c'est la rencontre, qui n'est jamais une vraie rencontre d'ailleurs, mais qui définit le singulier qu'il appelle une destinée. C'est ce qui ne se fait que par une bonne chance, comme il le dit. Lacan semble ici conscient
en retrouvant la définition de la chance comme condition de la possibilité à nous d'ajouter de l'acte analytique. Bref, c'est la contingence de la rencontre avec quelques autres qui contribue à la possibilité de s'autoriser de l'acte du psychanalyste. Cette addition par Lacan et de quelques autres était pour sa foi d'abord destinée à ménager l'angoisse et l'incompréhension suscitées par la réception de sa proposition. Mais ce principe a aussi une valeur constative, c'est-à-dire de reconnaissance après coup de la pratique de l'analyste. C'est ce qui est du ressort d'une institution analytique. On arrive ainsi à la fin de partie pour Lacan en 1978 au congrès de son école sur la transmission. Il annonce « La psychanalyse n'est pas transmissible. C'est bien ennuyeux. C'est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé, puisqu'il faut bien qu'il y soit forcé, de réinventer la psychanalyse. » Bref, Lacan lance que chaque analyste réinvente la façon dont la psychanalyse peut durer. La réponse de Safon en 2013 est la suivante. L'avenir de la psychanalyse ne tient qu'à sa capacité à contribuer à l'intelligence de notre époque et aux métamorphoses de l'éros. Ce qui se laisse traduire dans notre monde postmoderne par un savoir y faire avec le symptôme pour obtenir la satisfaction. Mais pas sans le réel de l'expérience de la réduction ou de la dissolution dans le réel du symptôme dans l'analyse, ce qui porte déjà témoignage d'une analyse. Alors, je fais juste une parenthèse pour la traductrice. Mustapha Safon est décédé il y a à peu près 2 semaines et juste avant, je lui ai demandé, parce que ça a été demandé, de faire un petit message à un groupe de jeunes Chinois qui commençaient à pratiquer l'analyse en Chine. Et Mustapha Safon aimait beaucoup ces jeunes analystes chinois qu'il avait vus à Paris. Et il a fait un petit message que j'ai filmé où il dit d'abord qu'il leur souhaite un bon succès et d'autre part que l'écueil qu'il y a à éviter pour durer dans la psychanalyse, c'est ça, l'écueil qu'il faut éviter pour réinventer la façon dont la psychanalyse peut durer, c'est l'identification du groupe avec un moi idéal. Primo. Secondo, il faut adopter à tout prix la proposition de Lacan qui est celle de s'autoriser de soi-même. Pourquoi ? Parce que il suffit que quelques analystes se réunissent et écoutent l'analyste, le jeune analyste qui veut les rejoindre,
Et après un vote, hein, si ce vote est positif et si le candidat ou la candidate est satisfaite, eh bien, ça suffit. Hein. Voilà le message d'un premier élève de Lacan après tout ce travail sur la passe, la transmission de l'analyse et voilà ce qu'il retient au seuil de la vie, voilà ce qu'il retient hein, comme message à transmettre à un jeune groupe d'analystes chinois qui essayent de se regrouper hein, en reprenant l'expérience analytique et en cherchant à la réinventer dans une autre civilisation pour avoir quelques chances de durer. Et là, on a une formidable interprétation de cette idée de Lacan, hein, que parce qu'il n'y a pas de transmission, il s'agit de réinventer la psychanalyse pour pouvoir durer. Voilà, je vous remercie. Muchas gracias, profesor Hoffman, por su exposición. Ha tocado y articulado varios puntos medulares del psicoanálisis, su transmisión, sus operadores fundamentales, como por ejemplo el deseo del psicoanalista, postulado oportunamente por Lacan. Mientras vamos recibiendo preguntas, comentarios o reflexiones de los participantes, quisiera hacerle una pregunta en relación con este contexto tan particular que estamos atravesando y que además constituye el tema convocante de este congreso. ¿En qué medida considera usted que la pandemia ha afectado o modificado el modo de concebir nuestra práctica? ¿Esto no invita de alguna manera, para tomar un término que usted mencionó hacia el final, la idea de reinventar el psicoanálisis? C'est moi qui dois répondre. Rappelle-moi la question, rappelle-moi la question. Il y avait une question, rappelle-moi la question. Profesor, ¿usted escucha? Acá alguien aclara que pidió que repitiéramos la pregunta. ¿Me escucha, profesor Hoffman? Sí. Ok. Repito la pregunta, ¿sí? ¿En qué medida para usted la pandemia ha afectado o modificado el modo de concebir nuestra práctica? ¿De qué modo ha impactado o habrá impactado todo este proceso inédito de pandemia para todos nosotros en la práctica misma del psicoanálisis y por eso le preguntaba si esto no invita de alguna manera a reinventar, que es esta palabra que usted rescató del texto de Lacan. Mais je comprends pas l'espagnol. J'entends tout en espagnol.
Tout est en espagnol. Me parece, Laura, que no te escucha a vos. Veamos. Christian, je vais essayer de poser ma question en français. Oui. Dans quelle mesure vous considérez que la pandémie a modifié, a impacté sur la façon de concevoir, la psychanalyse? N'invite pas, et pour prendre un terme que vous avez mentionné, l'idée de réinventer la psychanalyse. Oui. Alors écoutez, j'ai fait une conférence sur la pandémie à Rio il y a quelques jours juste, hein, et j'ai beaucoup réfléchi sur la pandémie et je vais sortir un livre sur la pandémie justement. D'abord, je pense que la pandémie est politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un réel du virus de la pandémie. Mais nous sommes dans une situation, en tout cas en Europe, je ne sais pas comment c'est. Je travaille un peu avec un ami brésilien, mais c'est à peu près la même chose. Il y a pour beaucoup de politiques une négation. Hein, un déni, on pourrait dire, du réel de la pandémie, ce qui fait que, comme dans un traumatisme, le réel de la pandémie, hein, ne peut pas rencontrer les discours politiques et sanitaires. Hein, surtout qu'en Amérique latine, et aux États-Unis, à l'époque de Trump, il y avait un déni scientifique même, hein, au profit de la religion, de la pandémie. Donc ça, cette non-rencontre, hein, entre le discours politique, sanitaire, scientifique et le réel de ce virus conduit immanquablement à un traumatisme. Et nous avons pour la psychanalyse, nous avons en Europe, comme vous le savez, beaucoup de conditions sanitaires qui limitent nos libertés, hein, et les personnes deviennent très dépressives, très angoissées, hein, et se rendent compte. Hein, qu'on ne sait même plus si on a un avenir. Hein. Ce qui fait qu'effectivement, ils viennent consulter la psychanalyse, hein, pour essayer de trouver un peu d'espoir dans la vie humaine, que la vie humaine va continuer, je pourrais dire. Hein. Muchas gracias. Aquí aparece otra pregunta, la digo en español y después la digo en francés. ¿Cómo se deviene analista? Es una pregunta que usted tomó, ¿no? ¿Cómo se deviene analista? Y alguien agrega, ¿y cómo se sigue siendo analista? ¿Cómo devenir psicanalista?
mais comment rester analyste aussi? Oui, 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 oui. Mais comment devenir psychanalyste? Il faut, je pense que, comme tout être humain, il n'y a pas d'existence sans traumatisme, hein, infantile ou plus tardif. Et je pense que c'est la rencontre avec une énigme dans l'existence, hein, qui amène quelqu'un à la psychanalyse. Et s'il a la chance d'arriver à trouver une solution à son énigme par la psychanalyse, il est clair que ça peut l'inciter lui-même à reprendre cette expérience avec d'autres patients. Tu vois? Hein? Alors, comment le rester? Comment le rester? Ça, c'est ce qu'on appelle, comment dire, il y a le désir. Mon vieux psychanalyste de 100 ans qui vient de mourir, il m'a dit avant de mourir qu'il avait toujours encore le désir d'écouter. Il avait toujours encore à 100 ans le désir d'écouter. Hein? Comme quoi, c'est une pulsion quasiment, hein, d'écouter l'autre. Hein? Mais bien sûr que ce désir, comme le désir de vivre, il peut fléchir, quoi. Il peut devenir plus faible. C'est pour ça qu'on a besoin de rituels, pas de rituels analytiques, c'est pour ça qu'on a besoin de reprendre une tranche d'analyse ou alors de discuter avec des camarades analystes, hein, pour retrouver une force à ce désir d'écouter l'autre. Hein. C'est pour ça qu'il y a des institutions analytiques, c'est pour ça qu'il y a des rencontres, c'est pour ça qu'on a des amis analystes, hein, ou d'autres personnes qui vous aident à renforcer votre désir. Le désir a une force qui n'est pas toujours la même, c'est sûr. Bien, alguien pregunta, evocando una frase de Mustafa Safwan que usted ha mencionado en su exposición, acerca de qué sería ese más allá de la neurosis. ¿Qué es que ese cet au-delà de la névrose que había souligné Mustafa Safwan? ¿Qué es que c'est cet au-delà de la névrose? Oui, oui, oui. Alors ça, c'est une question. C'est une question qui est toujours très énigmatique et très intéressante. On peut prendre très simplement l'idée de l'au-delà. S'il y a un au-delà de l'Oedipe aujourd'hui, hein, ça veut dire qu'il y a un au-delà de la névrose. Hein. Pour Safwan, l'Oedipe, ce n'était pas la solution merveilleuse. Parce que c'est quand même l'Œdipe qui a amené la culpabilité. Hein? Et la culpabilité, c'est la névrose. Hein? Donc, il y a un côté pathologique de l'Œdipe. Hein? Et si quelqu'un arrive, par l'analyse, à se débarrasser un peu de sa culpabilité, eh ben, peut-être qu'il pourra trouver un peu de bonheur dans l'existence que la névrose ne lui permettait pas, quoi. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando. Le agradecemos nuevamente, profesor Hoffman, su exposición, muy clara, muy interesante, que abre distintas perspectivas. El Congreso continúa con su programación. Agradecemos nuevamente a la Secretaría de Investigaciones y bueno, saludamos a todos los participantes y alguien preguntaba recién, esto va a quedar grabado, así que bueno, será hasta muy pronto. Muchas gracias, profesor Hoffman.
Au revoir. Au revoir. Bye bye. On s'arrête là? Bye bye. Bye bye. Merci. Merci. Merci, hein. Merci beaucoup, professeur. Merci à tout le monde. Hein? Voilà. Bye bye. Et bon colloque encore. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt.